fait, il y a vraiment, il faut réfléchir à les questions de des way, enfin, de, on s'y est intéressé, bon, après, voilà. Moi, c'est la réunion qu'ils ont eue, ça ne sert à rien. J'ai reçu beaucoup de témoignages à la suite de celui de Juliette qui racontait finalement les mêmes choses. Parce que Juliette racontait un viol, elle racontait le traitement après qui lui avait été réservé par ses camarades dès lors qu'elle en avait parlé, et aussi évidemment la double peine avec le traitement de l'administration vis-à-vis de ce viol. Et en fait, plein de choses ont émané assez similaires. Et bah, finalement, après, quand le hashtag #SciencesSport s'est imposé, ça a été vraiment une avalanche de témoignages tous concordants. Ouais. Les hashtags et les polémiques et tout, je m'improvise toujours pas psy ou toujours pas avocate en fait, je vais pas... Ce qui m'a plus surpris, c'est de découvrir vraiment ce système, cette culture du viol, ce silence organisé, vraiment cette volonté en fait de garder la réputation des établissements intacts au détriment des élèves. Ça m'a beaucoup plus surpris en fait de voir cette constante entre tous les établissements, vraiment ce règne du silence et de la culture du viol.